Qu'est-ce que c'est Bonne Gueule? C'est un des sites les plus visités par les hommes en France pour trouver des conseils sur le vêtement masculin. Vous êtes prêts? On y va. Bonne Gueule, donc c'est une histoire qui dure depuis 10 ans maintenant. Donc c'est un site qui a été fondé en 2007 qui a pour but d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Donc on le fait à travers une tonne de conseils gratuits sur Ouais. le blog, via la chaîne YouTube, à travers aussi un livre papier d'ailleurs, et aussi à travers une ligne de vêtements qui est la ligne Bonne Gueule. Il n'y a jamais eu de bannière ou de pub sur Bonne Gueule. On ne fait pas d'affiliation, on ne fait pas d'articles sponsorisés, les marques ne payent pas pour être présentes sur notre site. C'est vraiment, si nous on aime la marque, si on estime qu'elle vaut le coup d'être partagée, on en parle. Comment vous changez le monde à votre niveau? L'industrie textile, c'est la deuxième la plus polluante du monde Oui, à l'heure c'est vrai. d'aujourd'hui. Et comment vous abordez l'impact écologique chez Bonne Gueule? Alors, la première chose, c'est qu'on a l'objectif ambitieux d'être une bicorp. De toute Alors, qu'est-ce que façon, tu entends par bicorp pour ceux qui ne connaissent pas le bicorp, terme? c'est un label qui est très rigoureux, qui touche à beaucoup d'aspects, le bien-être au travail, l'écologie, l'environnement, etc. Donc, on a une personne à temps plein chaque semaine qui travaille sur ces sujets-là. Avant, on cherchait de belles matières. Maintenant, on cherche de belles matières et on fait en sorte qu'elles soient respectueuses dans l'environnement. On travaille avec pas mal de matières qui sont avec la norme Ecotex, Ouais. entre autres. Moi, j'aime bien les matières techniques. On fait hyper attention à tout ce qui est PFC, etc. On va systématiquement essayer de prendre l'option avec un coton biologique et sans PFC. OK. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on à différents niveaux. Et enfin, pour nos ateliers, on les visite tous. Et ça, c'est hyper important pour nous. Aussi, nous, il y a un travail d'éducation. On se forme nous-mêmes sur ces sujets. On éduque aussi nos clients sur ce qu'est un vêtement de qualité, une matière de qualité. Ouais. Comment vous, chez Bonne Gueule, par rapport aux grandes enseignes, aux grandes marques qui ne respectent pas forcément l'humain dans leur production, comment vous, vous intégrez l'humain et l'éthique dans votre travail? Mon chef de produit, Julien, est très très soucieux de toutes ces questions-là. Vraiment, il est limite plus exigeant que moi sur certaines choses. Donc voilà, on se renseigne beaucoup, on visite nos ateliers. Et alors justement, je voudrais juste ajouter quelque chose, je viens d'y Ouais. penser, c'est que parfois les ateliers qu'on a vus étaient mieux que les ateliers français. Dans le sens où les ateliers français sont souvent de vieux ateliers qui peinent à survivre, donc il n'y a pas de nouveau réinvestissement. Comparé à une nouvelle chaîne de production en Roumanie, où là par contre, tu as l'aspirateur au sol, tout est climatisé, tout est très lumineux, avec des machines modernes qui font moins de bruit, etc. Moi j'entends un truc souvent, c'est mes amis qui me disent, ou des gens quand je parle des vêtements de qualité, etc., qui me disent, ouais, mais moi j'ai pas d'argent, les vêtements de qualité c'est trop cher. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Alors, j'ai une position qui est très tranchée, qui peut faire polémique, mais pour moi, ce sont totalement des fausses excuses. Ouais. Dans le sens où c'est pas normal, moi je vois des filles, c'est les premières à dénoncer le travail des enfants, mais qui vont se précipiter à Primark acheter un t-shirt à 3 euros. Et là, il y a cette espèce de schizophrénie du consommateur qui m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à ça. Schizophrénie du consommateur, Ouais, c'est c'est un fort truc. comme terme, c'est ça. Ouais, moi ça. Enfin, je veux dire, ouais, le travail des enfants, c'est mal et tout, je veux bien, mais dans ce cas-là, fais pas la queue pour Primark. Et pour moi, c'est ce genre d'entreprise, c'est le pire parce que la valeur, elle est créée nulle part. Elle n'est pas créée pour le client parce qu'il a un vêtement qui n'est pas de bonne qualité. Elle n'est pas créée pour les salariés parce que voilà, c'est pas des bonnes conditions de travail pour eux, que ce soit en France ou les vendeurs. Ça va pas être très drôle et pour leurs fournisseurs. Et même pour la marque en elle-même, où les marges sont réduites, enfin, c'est une entreprise pour moi qui ne crée pas de valeur. Ouais, c'est clair. Et alors oui, donc l'événement de qualité, c'est trop cher. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités en tant que consommateur. La qualité, elle a un coût, on ne peut pas tout avoir. Je ne sais plus pour quelle marque, il y avait des mots de détresse dans Oui. les poches des jeans. Et je me dis, mais comment, Zara, non? je veux bien que ce jean soit pas cher, mais comment est-ce qu'on peut ensuite, en tant que consommateur, un minimum éveillé? Parce qu'entre un tuyon qui n'a pas de thune, qui veut s'habiller... Ok, heureusement que ces marques de fast fashion existent parce que je pense aussi que chacun a droit d'avoir un style décent à n'importe quel prix. Est-ce que tu as un dernier appel aux personnes qui nous regardent maintenant? Un appel à l'action fort sur la consommation éthique, de qualité? Ouais, alors, essayez de consommer moins dans le sens, demandez-vous si vous avez besoin d'acheter autant de vêtements. Vous allez vous apercevoir que non, et dans ce cas-là, vous allez avoir plus de budget pour mettre dans des vêtements de meilleure qualité. Et passer du temps à reconnaître le beau et le bon dans le vêtement, c'est jamais vain. Jamais, jamais vain. À reconnaître une belle matière, une belle chemise, de belles finitions, n'hésitez pas à lire des sites comme Gentleman Buddha ou comme Bonne Gueule. Et je vous assure, votre mode de consommation, il n'en se trouvera qu'amélioré. Parce que le vêtement, finalement, c'est une porte sur plein d'autres choses. C'est clair.
Et ça en dit beaucoup sur la personne qui les porte aussi. Aussi. Donc voilà. Ouais. Mais je vous invite à suivre Bonne Gueule sur YouTube parce qu'ils ont des vidéos extrêmement poussées et pédagogiques sur le vêtement. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne Bonne Gueule et à la chaîne Romain Clamaron pour plus de contenu sur On change le monde et sur le développement personnel. Donc, voilà. Merci Merci Romain. Benoît. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.